Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dernière petite vidéo de l'année pour clore cette année pourrie 2020 avec une proposition de swap pour celles qui le désirent. Ce sera un calendrier de la Saint-Valentin. Je me suis dit après tout, pourquoi serait-on obligé de faire qu'un calendrier de l'Avent? On peut très bien avoir un calendrier de la Saint-Valentin. Pour ceux qui souhaitent participer, vous mettez en commentaire votre participation. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ce n'est pas la peine de remettre si vous êtes déjà marqué. Donc, pour l'instant, on a Gwenscrap et des crispations. Donc, s'il y en a d'autres qui souhaitent faire un calendrier de la Saint-Valentin, donc du 1 au 14 février, eh bien, je serais ravie de le faire avec vous. Bien sûr, ce ne serait pas drôle sans petites contraintes, toutes petites, je vous rassure. C'est la couleur. Je sais qu'on peut mettre d'autres couleurs, mais moi, pour ce soir, je veux uniquement du rouge et du blanc. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit rouge et blanc, les couleurs dominantes. Après, rien ne vous empêche, si vous faites une création, de mettre quelques petites touches de couleurs, bien sûr, qui sont en cohérence avec les couleurs de la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas de souci. Mais uniquement rouge et blanc. Donc, ça peut être des créations, ça peut être ce que vous avez acheté, ça peut être des gourmandises. Ça peut être des choses que vous avez créées avec la récup, ce que vous voulez, mais uniquement pour un Saint-Valentin. Donc pour ceux qui le souhaitent, bah, mettez en commentaire votre participation. Et je vous laisse jusqu'au 30 janvier pour envoyer votre participation. Bien sûr, il faut qu'on puisse ouvrir à partir du 1er février. Après, rien ne vous empêche de mettre ce que vous voulez, rajouter des choses. C'est libre à vous. Mais le thème Saint-Valentin est rouge et blanc. Donc, sur ce, je vous souhaite les bonnes fêtes de fin d'année, on va dire. Mangez pas trop et buvez pas trop. Et surtout, faites attention. Restez où vous êtes. Et amusez-vous quand même. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. L'année prochaine. Bye bye tout le monde.